SCP-2118. Classe. Sûr. Procédure de confinement spécial. SCP-2118 est actuellement confinée dans une cellule pour humanoïdes standard. Elle est surveillée en permanence par des caméras de sécurité détectrices de mouvement. La cellule doit être meublée avec un mobilier approprié pour un enfant de 8 ans, et contenir deux animaux en peluche. SCP-2118 peut sortir dans une enceinte extérieure une fois par jour, pour une durée n'excédant pas une heure et comprise entre 9h et 17h. Il doit être accompagné par au moins un surveillant qui n'a jamais eu d'enfant et familiarisé avec le langage des signes américains, ainsi que sa traduction et son usage. SCP-2118 n'est pas autorisé à parler à tout autre membre du personnel, excepté dans les paramètres de test approuvés. Description. SCP-2118 est un être humain de sexe féminin, 8 ans, aux cheveux roux et aux yeux gris clair. Il possède une cicatrice sur sa joue droite, de 9 cm de long, ayant la forme d'une parenthèse ouverte. SCP-2118 affirme qu'il a reçu cette cicatrice quelques années plus tôt, après avoir été frappé par un étranger dans la rue, mais il est réticent à en révéler davantage. SCP-2118 communique principalement par ASL et occasionnellement par écrit, bien qu'il soit capable de produire un discours cohérent. Les propriétés anormales de SCP-2118 se manifestent lorsqu'il est exposé à un parent qui, à un moment de sa vie, a vécu le deuil de son enfant. Dans ces conditions, SCP-2118 commencera à parler avec une voix différente de ce à quoi la sienne devrait ressembler. Au lieu de cela, elle reflétera l'âge et le genre du dit enfant décédé au moment de sa mort. SCP-2118 est conscient de son discours ainsi que la détresse psychologique qu'il cause aux parents, en signant plusieurs excuses et platitudes, même s'il continue de parler. Les tests ont indiqué que SCP-2118-01 doit être âgé de moins de 18 ans au moment du décès, bien que des tests ultérieurs ont indiqué que ce n'est pas l'âge biologique, mais l'âge légal, par lequel 2118-01 définit un enfant. En règle générale, les mots et les sons stimulés par SCP-2118 sont compatibles avec les derniers mots sons de SCP-2118-01. On ignore à ce stade comment SCP-2118 peut imiter avec précision le son de noyade, d'asphyxie, ou de formation de cloque dans la cavité de la gorge. Il est à noter que le visage de SCP-2118 garde un regard de contrition pendant que les sons sont imités, malgré le caractère parfois violent de la mort de SCP-2118-01.